Bonjour, mon nom est Judith Ritchie, je suis experte en beauté holistique et aujourd'hui je vous présente les deux soins corps de la gamme Boréal du Strum Spa Nordique ainsi que trois rituels bien-être à faire à la maison. L'idée, c'est vraiment de se créer un moment chez soi, un rituel pour poursuivre la démarche de beauté globale une fois à la maison. Ainsi, on devient le créateur de sa propre beauté et aussi le créateur de son rituel beauté. La gamme Boréal comprend deux soins corps et le premier est le gel exfoliant corps qui est à base de lavandin, épinette noire et pain gris. Donc en fait, le gel exfoliant, c'est la première étape du rituel corps. On l'utilise évidemment sous la douche, une fois que la peau est humide et détendue. Par un mouvement circulaire, on vient retirer les cellules mortes qui se retrouvent sur la peau, donc sur l'ensemble du corps, les jambes, les bras, et puis on se fait également un automassage. Et les huiles essentielles qui se trouvent dans le produit procurent un véritable moment de bien-être et de détente. Le deuxième produit de la gamme Boréal, c'est l'huile corps et cheveux, qui est vraiment un des essentiels de la gamme. D'ailleurs, c'est le produit qui fait tout et qu'on peut utiliser à la fois dans sa crème de jour, sur ses cheveux et sur son corps. Le produit est à base de vitamine E, d'huile de jojoba et d'huile d'argan. Donc, c'est vraiment une huile qui pénètre rapidement dans la peau, ça ne laisse pas de fini gras. Au contraire, ça hydrate en profondeur et ça laisse vraiment une belle sensation satinée sur la peau. L'huile est vraiment un produit polyvalent, donc on peut à la fois l'utiliser dans sa crème de jour en ajoutant une petite goutte ou alors sur ses cheveux pour lisser les frisottis, par exemple, ou alors juste hydrater les pointes de cheveux. On peut également utiliser l'huile sur l'ensemble du corps. On l'applique en automassage après la douche, après avoir préalablement utilisé le gel exfoliant corps. On ajoute aussi, si on veut, une goutte d'huile essentielle de notre choix pour avoir une ambiance olfactive supplémentaire. Un des avantages de la gamme Boréal, c'est de pouvoir recréer l'expérience une fois chez soi. C'est toute la philosophie qui se trouve derrière la gamme. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer trois rituels bien-être, beauté, à refaire une fois chez soi. Le premier est l'aromathérapie intuitive et aussi une technique de respiration qui s'appelle la respiration alternée. Le deuxième est comment recréer un bain aromatique inspiré de la tendance Hygg danoise. Et le dernier, le rituel tonifiant de la douche nordique. Commencez par choisir l'huile essentielle qui vous convient. Ça peut être vraiment l'une des trois, Aurora, Taiga ou Tundra. Et l'important, c'est vraiment que ce soit une huile essentielle qui résonne avec vous en ce moment et qui vous interpelle de façon intuitive. La respiration permet vraiment d'oxygéner l'esprit, mais aussi de dépolluer les pensées négatives. Donc, c'est vraiment à travers le souffle qu'on vient réoxygéner notre esprit, mais aussi chaque cellule de notre corps. Donc, c'est très, très important dans un rituel de bien-être. Donc, la première étape, c'est de prendre un peu d'huile corps et cheveux, d'en appliquer dans le creux de votre main et ensuite d'ajouter une goutte de l'huile essentielle de votre choix pour ensuite frictionner légèrement vos mains ensemble et vraiment ressentir l'odeur en fermant les yeux, parce que c'est vraiment en fermant les yeux qu'on ressent tous les bienfaits de l'olfaction et des différents arômes des huiles essentielles. Donc, vous pouvez prendre les mains et les mettre directement près de votre visage pour ensuite prendre une grande inspiration et une grande expiration. L'idée ici, c'est vraiment de faire de l'espace et de dégager vos voies respiratoires et de bénéficier des bienfaits des différentes huiles essentielles boréales. Donc vraiment des grandes inspirations et de lentes expirations pour retrouver le calme et la paix intérieure. Vous pouvez ensuite prolonger la respiration en utilisant la technique de respiration alternée. Donc, c'est une respiration qui consiste à inspirer d'une narine et à expirer de l'autre narine. On applique l'index et le majeur directement sur le centre du front. Ensuite, à l'aide de son pouce, on vient bloquer la narine droite. On inspire par la narine gauche. Ensuite, on garde son souffle, on vient bloquer la narine gauche et on expire par la narine droite. Ensuite, on inspire par la narine droite, on vient bloquer la narine droite, on garde son souffle et on expire par la narine gauche.
Le deuxième rituel bien-être à faire à la maison est le bain aromatique aux huiles essentielles boréales. Donc, on connaît tous les bienfaits du bain. C'est vraiment la meilleure façon de se réchauffer, de se détendre. Donc, on peut ajouter quelques touches personnelles à ce bain aromatique et ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de notre choix pour profiter des bienfaits aromatiques des huiles essentielles boréales, mais aussi s'inspirer de la tendance danoise Hygge, qu'on prononce aussi Hygge, qui s'inspire justement de l'art de vivre et de l'art du bien-être à la danoise. On peut donc allumer des chandelles pendant qu'on prend son bain et vraiment profiter de cet instant pour se détendre et penser à soi. Une bonne façon d'utiliser l'huile essentielle à l'intérieur de son bain, c'est de le mélanger avec un corps gras, par exemple l'huile corps et cheveux. On utilise quelques gouttes d'huile à l'intérieur de sa main et ensuite on vient ajouter l'huile essentielle de son choix pour ensuite placer sa main sous le jet pour que justement l'huile et l'huile essentielle se diffusent à l'intérieur du bain. L'autre alternative, c'est d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans du sel d'Epsom. Par exemple, je suis une fan du sel d'Epsom dans mon bain. C'est extraordinaire pour la relaxation. Donc, on ajoute une ou deux gouttes d'huile essentielle dans notre sel d'Epsom et ensuite, on le fait fondre à l'intérieur de son bain pour profiter des bienfaits. Le troisième rituel bien-être à faire à la maison, c'est la douche nordique. Donc, c'est une expérience qu'on va souvent vivre directement au spa, mais qu'on peut également recréer une fois à la maison. Donc, c'est vraiment une technique très simple qu'on peut faire le matin ou le soir en prenant sa douche. Donc, on prend une douche chaude de façon tout à fait normale et on termine par un jet d'eau froide sur l'ensemble du corps. On peut même prendre le pommeau de douche et le faire glisser le long de ses jambes et de ses bras pour stimuler la circulation sanguine et stimuler la circulation lymphatique. Donc, c'est aussi une technique qu'on peut effectuer à la fin de son rituel beauté visage. Juste avant d'appliquer son soin hydratant, on termine avec un jet d'eau froide sur l'ensemble du visage. Ça vient illuminer le teint, tonifier la peau et même diminuer les cernes. Voilà, c'est ce qui présente les deux soins corps de la gamme boréale. L'idée, c'est vraiment de se créer des petits moments à la maison, de s'octroyer des instants de bien-être et les soins corps sont idéaux pour ça.